Bonsoir mes amours, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette très belle soirée pour un nouveau tirage sentimental. Nous allons voir quelles sont les énergies entre vous et votre autre. Donc, bien concentrez-vous sur ces énergies, sur vos énergies. Voilà, comme toujours, c'est une guidance générale, alors ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Et vous gardez bien votre libre arbitre. Si certains messages ne résonnent pas en vous, laissez-les de côté, c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. Je voudrais également vous remercier très très sincèrement pour vos partages, vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires que je lis, je les lis tous. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre soutien et votre présence. Et voilà, je suis ravie de vous retrouver et que les messages résonnent en vous. Vraiment, c'est toute ma volonté sur cette chaîne. Alors, on démarre avec un premier message pour mes amours. Donc, concentrez-vous, on se relaxe, on se relâche, on passe un bon moment ensemble. Il a sauté direct. Bon, je vous montre l'image et on nous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Magnifique. Premier message. On vous dit que vous êtes en pleine transformation, mais également votre autre. La relation est sur le point de s'approfondir. Donc peut-être que vous allez passer à un autre stade de votre relation avec votre autre. Et on nous parle d'amour. Beaucoup d'amour entre vous avec votre autre. Ce qui va amener à une transformation. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Plusieurs possibilités avec cette carte. Peut-être que vous pensez à une personne en particulier, mais qu'il y a une autre personne qui a des sentiments pour vous, qui n'a jamais déclamé sa flamme. C'est possible. Pour d'autres, c'est votre autre qui n'a peut-être jamais déclaré ses sentiments, le fait de vous aimer, le fait d'avoir des sentiments amoureux à votre égard. Et donc, votre autre va vous déclarer les choses et vous avouer ses sentiments. Ou autre chose également. Peut-être que pour les personnes qui étaient en froid, en séparation, votre autre vous cachait certaines choses, mais pensez toujours à vous. Et donc cette personne va revenir à vous et vous manifester ses sentiments. Elle veut dire les choses qu'elle ressent très clairement. Magnifique. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc là, c'est un conseil. Peut-être que votre autre est un ami ou une amie ou une personne voilà, avec qui vous étiez amie ou qui fait partie de votre cercle d'amis d'une part. Autre possibilité, peut-être que votre autre est votre amour tout simplement. Mais le fait de vous rapprocher de manière amicale et de renouer ou nouer ces liens amicaux aide votre relation amoureuse. Et en dos de deck, j'ai « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Le fait d'être en gratitude, de remercier l'univers, d'apprécier ce que vous avez, d'être dans la positivité, attire l'amour vers vous. Mais également, ce qu'on nous dit, c'est que des bénédictions d'amour arrivent à vous. Magnifique. Quels sont les messages pour mes amours ce soir, s'il vous plaît? Ok, bon, on nous parle d'une personne qui est d'un homme ou d'une femme, hein. Élégant, élégante, mais pas sérieuse, sérieuse. Donc pour certains, c'est peut-être un début de relation où cette personne a... Voilà, vous avez peut-être des échanges superficiels pour le moment. Cette personne est dans vos énergies. Rebelote. Une personne qui ne va pas au fond des choses, qui ne dit pas les choses clairement. D'accord. Bon, ça a l'air plutôt sympa quand même, hein.
On nous parle d'ouverture, les choses bougent et avancent. Pour moi, ça fait écho avec évidemment la transformation. Peut-être qu'il va y avoir des déménagements pour certaines personnes ou des emménagements avec leur autre. Dites-moi en commentaire en quoi cette guidance aura résonné en vous. Guérison, vous retrouvez le calme, la paix, la sérénité, vous-même, mais également dans la relation. Ouais. Ça passera peut-être par des échanges au départ superficiels, des échanges, voilà, sans aller en profondeur par rapport à vos sentiments, ce que vous ressentez. On dit des échanges coquins aussi. Prenez ce qui résonne, voilà, ça m'est venu comme ça. Ok, on vous dit qu'il va y avoir un message envoyé. Vous allez envoyer un message à votre autre ou à une personne, ou alors un message va vous être envoyé après une pause. Et on nous parle à nouveau de transformation, de renouveau dans la relation. Donc, il y a un changement qui donne des ailes. C'est un changement qui va vous donner une nouvelle impulsion, de la force. Ouais, la foi soulève des montagnes. Vous allez retrouver la foi, en fait, après une pause, après avoir souffert, après avoir vécu des moments difficiles avec votre autre. Incroyable. On parle d'union, de couple, d'engagement dans l'air. Certaines personnes vont recevoir une bague, une proposition d'engagement, d'amour, ou une déclaration. Je vous prie de m'excuser. Ou une déclaration d'amour. Amour véritable, affection et amour inconditionnel avec votre autre. Magnifique. Incroyable. Ça passera peut-être au départ par des échanges superficiels et puis ça va se transformer. Non, je veux que ça se retourne et que ça saute, s'il vous plaît. J'en ai beaucoup qui font un petit voyage. Hein. Ouais. Fou là 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 là. Amour passionnant et envoûtant entre vous et votre autre. Vous le magnétisez, il vous magnétise. Et on a la naissance de nouveaux projets, une vie commune, une grossesse. Donc pour certaines personnes, peut-être un nouveau projet. Peut-être un projet bébé, un projet d'engagement, un projet de déménagement, d'emménagement, de faire votre vie avec cette personne. J'ai les clés, j'ai le déménagement, j'ai la naissance et j'ai la bague. Enfin, bon, dans l'ordre, hein, évidemment. Ça nous parle de grossesse pour certaines personnes également, la naissance d'un nouveau projet, un renouveau dans la relation. Et on vous dit un grand oui. Si vous posez une question par rapport à votre autre, la réponse est oui, un grand oui. Ok. Soyez dans la gratitude. Hein. Je vais les mettre là. Hein. Soyez dans la gratitude par rapport à votre relation parce que très très clairement, puissant. N'hésitez pas à prendre votre temps aussi. Hein. Voilà, si votre autre vous a pris du temps, vous aussi, hein, patience. Hein. L'amour passionnel qui va être retrouvé, on nous parle d'amour passionnant et envoûtant, de magie, d'amour passionnel. Pff, grand amour, ah, c'est beau, j'adore, et le rouge. Vous êtes ancré, hein. Vous avez retrouvé votre ancrage et votre équilibre. Le passé qui revient, il y a un renouveau, une nostalgie, voilà, vous pensez à votre autre, il y a un retour de votre autre pour cet engagement. Il y a des compréhensions nouvelles. Il va y avoir des explications, vous allez peut-être envoyer des messages ou recevoir des messages. Il y aura des leçons, des compréhensions nouvelles par rapport à la relation. Le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Bon, là, je parle à des personnes qui vont vivre, si ce n'est pas le cas, vraiment un renouveau dans la relation. Vous allez passer à une autre étape. Hein. Ça va changer du tout au tout. Ça va revenir pour du sérieux, de l'engagement. N'hésitez pas, on me dit. Pour les personnes, d'accord? Si votre autre revient après un temps de latence, ça a été compliqué, etc., etc., posez bien les limites. Dites ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Pour que ça arrive. Et soyez dans la bénédiction. Par rapport au masculin, on parle de bonne récolte. Pff, écoutez. Et il y a le bon timing. Ça y est, enfin. Après avoir mis du temps, on perçoit la récolte. Votre autre a compris les choses et revient pour un engagement. C'est proche, proche. Ok, j'ai le masculin, la féminine. Ok, par rapport à cette féminine, que me dit-on, s'il vous plaît, par rapport à leur autre? Le lieu de vie. Bon, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Hein. C'est clair. Hein.
C'est très, 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 très clair. Voilà, vous allez retrouver une paix intérieure, un équilibre ensemble, mais également, voilà, la bonne récolte par rapport à un lieu de vie. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous proposer de déménager, d'emménager avec vous, ensemble. Une construction de vie également, des projets d'avenir, si ce n'est pas le cas, voilà, pas le fait de déménager, d'emménager. Les belles pensées, oh, c'est beau. Vous pensez à quelqu'un, votre autre pense à vous. Vous allez rêver à nouveau, rêvasser. Oh, c'est doux, c'est beau. J'aime beaucoup quand c'est comme ça. L'engagement stable, bon. L'engagement stable entre ce masculin et cette féminine. Hein. Construction, relations solides, contrat. Il y a des personnes qui vont se marier, qui vont s'engager. Recevoir des nouvelles et la relation magnétique. Bon, bah voilà, que voulez-vous que je vous dise de plus? Et l'ouverture. Ok, après des situations complexes, peut-être de triangulaires. Ouais, laissez le temps, il s'est passé du temps, mais il y a la fidélité derrière. Ok. La distance à parcourir, se lancer. Ok, après peut-être des infidélités, un cœur brisé. On a pris de la hauteur, on a été blessé, mais on a retrouvé son équilibre et le choix à faire. Ouais. Est-ce qu'on va s'engager? Est-ce que vous allez vous engager avec cette personne? Est-ce que vous allez dire oui? C'est ça le choix à faire. Hey, ça vous appartient, mes amours. Ok, mais on a un retour proche pour une stabilité, hein. Très, très clairement. Très clairement. Ok, bon, j'ai les cartes qui sont complètement mélangées. It's good, baby. Ok. Que peut-on me dire pour mes amours? Que peut-on me dire par rapport à leur autre? Bonheur absolu, oublie ton ex. Ok. Bon, il y a un bonheur absolu qui vient à vous, une construction de vie, si ce n'est pas votre ex, hein, pour le coup, pour les personnes qui ont décidé vraiment de passer à autre chose, il y a une construction de vie, un renouveau, une nouvelle étape de vie qui vient à vous. Vous allez vers un bonheur absolu et pour d'autres, oublie ton ex, ça me dit aussi en message. Peut-être que votre relation avec votre autre était influencée par un ex, une ex, d'accord? Qui influençait votre relation, mais de manière négative. Peut-être que vous aviez certaines peurs, peur de vous engager, des mauvais schémas répétitifs que vous reproduisiez issus de vos relations passées parce que vous étiez dans les angoisses, la peur. Que certaines choses se reproduisent, on vous dit oublie ton médecin. Stabilité. Waouh. Écoutez, hein, regardez le paquet que j'ai. Hein. Génial, écoutez, c'est magnifique. On me dit que vous allez vraiment vers une stabilité avec votre autre hein, et ses proches. Hein. Malgré le fait que cette personne ait peur de votre relation, nouveau départ, synchronicité, communication. Après avoir eu, voilà, peut-être des communications méchantes ou la méchanceté dans le lien ou autour de vous. Bon, désolé, ça fait son apparition. On avait la relation magnétique, karmique, hein, voilà, hein, y a des moments qui viennent à vous, des moments charnels. Peut-être qu'il y aura quelques petites disputes, hein, mais vous allez faire... Ah non, ok, vous allez faire le deuil des disputes, ok, des mauvais moments. Et ça va être comme un miracle pour vous. Ok, ça me renvoie à ça, hein. Premier message, exprime ta gratitude pour les bénédictions, le miracle d'amour qui arrive bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. On nous parle d'un miracle, d'un cadeau du ciel, d'un vœu exaucé. Ouais, après qu'il y ait eu un silence radio, l'espoir revient. Une personne qui rêve clairement de vous. Et vous allez vous sentir en sécurité. J'avais l'ancrage tout à l'heure. Bon, là, j'ai punition. Voilà, hein, c'est amour, ça. Hein. Et admirateur secret à nouveau. Une personne qui va se révéler autour de vous ou votre autre. Ouais. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Votre autre est têtu. Bon, je ne vais pas rester là-dessus. Ouais, et dans la méfiance quand même, hein. Ouais, bon, il y a une différence d'âge entre vous. Soit c'est un homme plus jeune, soit il y a un jeune homme, peut-être une personne qui a un enfant, un garçon, et homme plus mûr. Ouais, on confirme. Et moment charnel.
Au lit. Bon, ok, d'accord. Prenez seulement ce qui résonne, hein, mes amours. Bon, il va y avoir des moments plutôt sympas, hein. Même s'il y a eu des non-dits. On nous parle du nom divine entre vous. C'est bon, j'adore, j'adore quand ça parle comme ça. Dominant, dominé, il y a des énergies tierces qui ont influencé la relation énergie tierce, soit une autre personne, soit la famille, les amis, le travail, les dépendances. Ouais. Il y a certaines personnes qui ont eu besoin de suivre les règles, ou votre autre suit les règles, ou doit respecter un certain timing, mais il y a un engagement qui vient à vous. Et on vous dit de ne pas oublier de vous aimer vous-même d'abord. Il y a de la fidélité qui vient à vous. Une personne qui aime votre poitrine. Hop, je ne montre pas le mot. Une personne qui était désespérée sans vous. Ouais, qui a eu vraiment le cœur brisé. Il y a des messages qui sont à venir. Vous allez recevoir des messages par rapport à une connexion très puissante que vous ressentez l'un pour l'autre. Ouais, c'est une personne qui va prendre un risque. Hein. Prendre le risque de venir vers vous. J'adore. J'aime quand c'est comme ça pour vous, mes amours. Quels sont les messages de votre autre? Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Petit coquin, petite coquine. C'est une personne qui se sent perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Et c'est une personne qui a peur de vous perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. C'est une personne qui est désespérée, hein, ou après avoir été désespérée, qui va être obligée en fait de venir vers vous. Parce que cette personne aura peur de vous perdre, donc elle vous fera un engagement de stabilité. On a le peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé. Et tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente. Wow, ça vole ce soir. Je suis prêt ou prête? Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Eh oui, saute le pas, vas-y. Et un dernier message, il s'est retourné. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours t'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. C'est trop beau. Et si je retourne en dos de deck, j'ai nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. C'est trop beau. C'est trop trop beau. C'est trop trop beau. Voilà mes amours, c'était des messages assez rapides. Vous allez vers une stabilité avec votre autre. La peur de vous perdre va le faire se bouger. Et vous proposer un engagement. J'espère très sincèrement que les messages auront résonné en vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, me dire en commentaire en quoi ça a résonné avec vous. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas à la chaîne. Je vous aime très fort, je vous remercie vraiment pour tout. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et vraiment, j'ai hâte de savoir dans les commentaires ce qu'il en est. Je vous embrasse très, 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 très fort, mes amours. À très vite.